Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment bien faire un trikonasana. Il y en a plusieurs trikonasana. Je vais vous montrer les bases pour bien faire cette posture. Bon, déjà, le trikonasana, on a les pieds bien écartés. Pour savoir de combien vous devez écarter vos pieds, étirez les bras de chaque côté et alignez toujours le poignet avec les talons. Je vais vous montrer le premier trikonasana avec les pieds parallèles. On toujours une légère rétroversion du bassin. On aspire légèrement l'abdomen. Les hanches restent droites. On ne décale pas les hanches. On étire les bras, on baisse les épaules et on penche sur le côté en cherchant l'étirement du côté opposé. On peut avoir les bras étirés là-haut. Et toujours les épaules bien alignées. Maintenant, la position de la tête. Soit vous regardez devant, soit vous regardez la main là-haut. Mais si vous avez beaucoup de tension au niveau du cou, regardez toujours le sol sur le côté que vous êtes en train de pencher. Donc, cherchez toujours là l'étirement du côté du tronc. Maintenant la respiration. En haut, vous avez les poumons pleins et c'est en expirant que vous allez pencher sur le côté. Cherchez l'étirement. Les choses à éviter, de toucher à tout prix, n'importe comment, le pied. Ce n'est pas ça l'objectif. Évitez de pencher comme ça vers l'avant. Évitez de décaler le bassin et évitez d'avoir les pieds qui souffre. Bonne pratique, namasté, à bientôt.